Aujourd'hui, on est à Vivatech et on va tester l'Hypersquare, le volant futuriste de Peugeot. Suivez-moi. Esthétiquement, le volant Hypersquare a une forme rectangulaire. Il est composé d'un écran doté de 4 alvéoles à chacun de ses coins qui permettent une prise en main facilitée de la commande de direction ainsi que l'activation des commandes du véhicule par simple pression des pouces. L'objectif pour le conducteur est de garder des gestes simples et familiers comme ceux qu'il utilise quotidiennement sur son smartphone. Les fonctionnalités de ce volant futuriste sont donc accessibles du bout des doigts par de simples clics sans avoir besoin que nos mains quittent le volant. L'écran central ressemble à une tablette et sert à diffuser les informations de contrôle. Des pictogrammes signalant certaines fonctions comme la climatisation ou encore le volume de la radio sont affichés sur les deux côtés du volant pour faciliter l'accès à la commande choisie qui, elle, se situe à l'intérieur des alvéoles. L'Hypersquare est aussi associé à la technologie Steer by Wire, sans colonne de direction, ce qui a pour objectif de rendre la conduite encore plus simple. Ce volant futuriste est combiné à un écran souple situé derrière lui et diffusant à 360 degrés. Baptisé Halo Cluster, cet écran permet de transmettre des informations de conduite ou d'infodivertissement, mais permet aussi de communiquer des informations à l'extérieur de la voiture. Le Peugeot Hypersquare devrait être proposé sur les futurs véhicules de la marque à l'horizon 2026.